Voilà, ici un Parmigiano Reggiano qui a été fabriqué en mars 2013. Donc il a juste 2 ans maintenant. Pour commencer, j'ai fait un marquage pour être certain de faire une belle coupe. J'ai ensuite coupé la croûte avec cet appareil, cet outil qui est vraiment spécialisé. Donc on fait comme ceci. Ensuite, à l'aide de cet outil, on va entamer le fromage par le talon et par l'angle du talon. Voilà. Avec une deuxième pointe, je fais la même chose de l'autre côté. Il existe aussi des écarteurs. Voilà, c'est un outil qui sert à ici maintenir l'ouverture pendant que je vais aller entamer le fromage par l'autre côté. Voilà. Je vais le faire ici un petit peu plus bas. Comme ça, je peux mettre mon écarteur là-bas. Sur l'autre face, je récupère l'écarteur qui était là, je le mets ici. Hop. Voilà le résultat en un clin d'œil. Le résultat d'un travail d'un artisan, une hacienda agricole qui nous fait ce très très beau parmesan. Voilà.